Ok, salut mon chum, bienvenue à notre épisode de Chummy TV. Maintenant, 1 et 3 dans la division 7 pour Chummy Canada. Mais c'est sûr que, honnêtement, là, tu sais, il y en a qui me disent je suis à chier, pis c'est vrai que je suis pas très bon, tu sais, on s'en fout dessus d'être bon. Le but c'est d'avoir du plaisir, mais tu sais, avec l'équipe que j'ai l'impression que comparé à toutes les équipes que je pogne, tu sais, en plus que mon goaler est fatigué, pis là, j'arrête pas de perdre de cet incite. Avec les gardiens que j'ai, avec l'équipe que j'ai l'impression que je suis pas si pire, sérieusement. À cause des équipes que je pogne, là, genre des Nugent Hopkins, des équipes de Huberto, des joueurs là même. Je pense que je fais quand même pas si mal là actuellement de me rendre en division 7 avec cette équipe-là. Juste voir le classement pour vous montrer. On est quoi? Je suis dans le top 3000 peut-être, en tout cas sur 97 000. Je trouve ça quand même le fun. Donc quand tu y penses, c'est pas mauvais pantoute pour Chummy Canada actuellement. Puis là, j'ai quasiment rendu à 17 500 pièces pour acheter un pack Gold Premium. Puis je te jure que j'ai peur là. Ça a été du gros travail. En plus, c'est Carey Price qui est sur le cover. 24 éléments. J'espère que ça va valoir 17 500, mais je te jure que je n'ai joué des games pour me rendre jusque-là, puis je n'ai vendu des joueurs, puis vous avez aidé aussi, donc merci à tous ceux qui ont aidé dans le précédent Trading Day. Mais là, avant de me rendre à 17 500, je veux ouvrir le pack gratuit ici, qui est encore Carey Price en plus, pack de précommande, donc ça fait une semaine que le jeu est sorti, donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ce pack-là, on va jouer un match, puis après ça on va voir 17 500, je vais tout vous couper ça en un beau vidéo. Qu'est-ce qu'on a un gilet qui a pas de bon sens? Allez, Shemsky! Oh bon, wow! Ok, ça commence à être une belle journée, parfait. Donc on comprend le Ben Duffy et tout, qui est un bon joueur. Je pense qu'il est ici avec le Canadien, genre camp d'entraînement du Canadien ou de quoi de même, c'est-tu lui? En tout cas, quand même nice pour Ben Duffy puis Falter. Un goaler, oh, je le prendrais bien ce goaler-là. Nice, trois cartes de joueurs que je veux bien. Des contrats pas pires, un gilet des Stars old school. Le reste, sérieusement, ça vaut, c'est pas grand-chose, mais je pense que ça vaut à peine pour gratuit, là. M'a prendre ça, moi, à l'SMSK puis ces goalers-là. Donc tout envoyé vers mon album, très content. Nice move right there. Parfait. Donc, maintenant qu'on a Mski, je vais le mettre direct dans mon line-up, lui puis le gardien. Je vais les faire jouer pour la prochaine game. Je vais aller me faire 500$. Et puis, dans le prochain vidéo, je vais... Ah, oh, aussi, ce que je voulais faire, je voulais savoir votre qu'est-ce que vous pensez de ça. Parce que je suis allé voir qu'est-ce que je pouvais avoir pour 17 000$, ok? Puis, j'ai fait le tour des joueurs. Puis, encore là, juste pour être certain que le marché, mettons, n'ait pas baissé. Puis, je puisse pas, mettons, m'offrir Jimmy Benn ou bien des joueurs qui ont vraiment pas de bon sens à 17 000 comparé à un pack Premium Gold. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux avoir, mettons, entre, je sais pas trop, comment j'avais mis, j'avais genre mis 11 000, entre 11 000 et 17 000 sur le marché. Pour être encore certain là, que je fais le bon choix d'aller me chercher un pack en premium. Puis je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Ça sera pas bien long, ça va se rendre jusque-là. Parce que honnêtement, je me pose la question si ça vaut la peine ou pas de faire un move en particulier. Donc, mettons, je vais mettre 17 000 parce que j'ai quasiment ça. Le gardien ici, Jake Allen, ok? 15 000 pour acheter immédiatement un goaler de 99 overall qui a été remonté, qui a 4 d'entraînement sur 7. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas lui. C'est pas c'était Jake Allen là. C'était pas lui tantôt qu'il y avait. Ah, il était sûrement plus bas de bord. Tape un peu. Parce que c'était pas celle-là pantoute. C'est-tu, genre, mettons, 10 000? Je sais pas comment j'avais mis. Parce que je veux vraiment vous faire. Tape un peu là. Ah, voilà, c'est lui, ok. Jake Allen. Ouais, ok, c'est lui. Donc, 11 000 pour Jake Allen dans 48 minutes. Je l'ai. 11 000, bam. C'est un gardien qui est 99. Tu vois, partout, rebond, positionnement, rapidité, bas et haut. 95 au total, mais je veux dire, c'est pas. Je comprends pas pourquoi lui est 97 dans le fond. Puis lui, il est 95. En tout cas, bref, les deux sont à 99. Encore 14 de contrat, une durée de 16 là-dessus. Donc, tu t'assures quasiment d'avoir 14 victoires là, en 16 matchs à peu près, là, au moins, dans ces 16 prochaines games-là avec ce gardien-là, pour 11 000. Je me demandais si ça valait la peine, puis je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres? Parce que c'est quand même une belle offre, là. 11 000 pour Jake Allen, là, je me posais vraiment la question. Surtout que, tu sais, après, il s'en va pas. Quand il a plus son entraînement... il reste quand même un gardien qui est quoi, Jake Allen? Mettons 82 overall, peut-être comme James Reimer. Mettons 82 overall pour Jake Allen. Donc ça reste un excellent gardien. Tu payes combien pour l'entraînement? C'est, mettons, la durée de 15, c'est 2500. Les entraînements, les cartes, c'est peut-être, mettons, que tu payes 2000 encore ou 3000 pour avoir des bonnes cartes pour le montant à 99. Je me demandais si ça valait la peine. En tout cas, fait que je vous pose cette question-là. Écrivez ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'aller chercher un goaler? Même, je sais que c'est pas comme dans le 2012, la première fois qu'il avait sorti l'équipe de rêve, où c'est qu'on pouvait mettre nos joueurs, mettons, Nugent Hopkins à 99 overall pour 136 games, mettons, tout le long de sa carrière. Mais quand même, je voulais. J'étais pas certain. C'est le genre de choses que j'aime faire. Déjà que vous avez vu dans mon line-up que j'ai Jaden Schwartz, qui est que j'ai amélioré un peu. Là. J'ai donné 5 entraînements pour le booster un peu à l'attaque pendant les games précédentes. Donc, c'était ça ma question. Là, ce que je fais, je m'en vais jouer une game. Je m'en vais faire mon cash. Puis, après ça, j'achète un pack gold. Puis après ça, on va rejouer une game avec le nouveau line-up, avec le pack premium gold de Chummy Canada. Donc, reste pas loin, mon chum. On se repart.